Bonjour Virginie. Alors vous êtes une artiste peintre et on peut dire que vous êtes une artiste sensible. Ça se voit dans vos œuvres. Ben, j'essaye d'interpeller le spectateur et de lui transmettre ce que moi je ressens quand je peins. En fait, j'essaye de transmettre mes émotions au travers de mes toiles. Francis Cabrel, ça vous dit quelque chose? Vaguement. En fait, j'étais professeure d'éducation physique, j'ai eu des gros soucis de santé. Je suis devenue professeure de sciences. Et puis, à un certain moment, il me manquait quelque chose pour m'exprimer, parce que je m'exprimais par le corps, donc il me fallait. Et j'avais envie de transmettre mes émotions, la souffrance, la sensibilité, comme vous dites. Donc, j'ai commencé à peindre en septembre 2009. Octobre est venu, oh, la toile octobre est venue à l'idée. Et puis le mois suivant, j'ai gagné une place pour aller voir un showcast et voir Francis Cabrel à Bruxelles. Et là, j'ai pu étaler une dizaine de mes toiles. Et puis il m'en a dédicacé une, La Robe et l'Échelle, et discussion avec Francis. Et puis ben voilà, mon fil conducteur. Pendant 9 ans, j'ai peint les titres de Francis Cabrel. J'en ai mis environ 110 en peinture. Et puis là, il y a 2 ans, pause, et j'ai commencé à chercher une autre façon de m'exprimer, enfin une autre peinture, un autre fil conducteur, et c'est une technique qui s'appelle le pouring, et qui sont des peintures coulées à base de coulage, on travaille avec des aiguilles dedans, on travaille avec un chalumeau pour faire apparaître des petites bulles, enfin voilà. Et là, c'est toujours la couleur qui prédomine chez moi. D'accord. Vous êtes une artiste active sur votre commune de Marche-en-Famenne. On connaît vos presque 66 cadors, j'ai en tête, les petites, Oui, trois je suis grandes. occupée d'entamer la 66e. Voilà, vous faites une boîte à livres, vous avez fait de logo pour La La vie vie en en marche, marche, oui. vous faites des ateliers. Vous en faites des choses sur marche? Ben, pensionnée, on n'a que ça à faire, donc autant donner de son temps, faire partager ma passion au travers de. Ben, il y a des gens qui font du bénévolat en allant dans les hôpitaux, en conduisant les gens. Ben, moi, c'est facile, je peins des cadoles, je peins des boîtes à livres, je fais un logo. Pour l'instant, je n'ai donné qu'un atelier pour les personnes qui ont eu un cancer, mais ça, je vais reprendre après. Bah, autant donner. Je donne de mon temps, mais en faisant ma passion, donc c'est chouette.